Escucho. Ông nhưng mà cầm to cái tâm lạc càng tệ phí tâm lạc cá nâng bắt đầu là cái chút từ tạm mì vì nó mục tâm lạc đâm nâng rọt vào ní nâng bây mình to ca tăng xâm nua nên đầu chụp vua xã xây nệ chùm niên. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dois en avoir pour une quinzaine de minutes. Monsieur l'expert, pour revenir aux déclarations de Nguyen Chia en 2013 devant cette salle d'audience et le fait de considérer encore aujourd'hui que les agents infiltrés par les Vietnamiens et les Américains sont responsables de ce qui s'est passé pendant le régime du Kampuchea démocratique et ont trahi la révolution. J'aimerais vos lumières, en quelque sorte, vous avez étudié la culture politique de ces régimes marxistes-léninistes. Y a-t-il une incapacité intrinsèque à ces régimes de se remettre en question et de se dire qu'on s'est trompé? Et y a-t-il recours systématique à l'ennemi pour expliquer finalement ses propres échecs? Yes, that's true. I'd like to point out that Use the example of the Americans in the Je vous remercie. Nous avons évoqué dans cette audience Saopim. Vous en parlez dans votre ouvrage en évoquant un détail qui, si je ne me trompe pas, n'a pas encore été évoqué lors de cette audience. Je suis aux pages 109 et 110 de votre ouvrage, aux IRM 01001776 et 1777. Vous évoquez les efforts de Le Douane de trouver leur homme, en quelque sorte. Le nom de Sao Pim est évoqué et vous indiquez ceci dans votre ouvrage. Le fait que Le Douane ait indiqué que le Parti communiste vietnamien avait essayé d'établir contact avec Sao Pim alors que cette personne était déjà décédée depuis 3 mois, ce qui, selon vous, si je comprends bien votre thèse, montrait qu'il n'y avait pas de contact préexistant entre Sao Pim et les Vietnamiens avant son suicide. Pouvez-vous expliquer à la Cour cet événement, ce que vous rapportez dans votre ouvrage?
Yes, well, I mean, I brought this up as an example of the inability of the Vietnamese to know what was actually going on in Cambodia. If they had tried to contact Sao Pham long after he had died, as with the case of the judgment of Nguyen Chia as being our man, my personal friend, I think it reflects a lack of competence in what was going on in democratic Cambodia, rather than a regime which knew everything that was going on and was very capable. Des coups, des conspirations. Pendant ces trois jours d'audience, et je voulais à nouveau vous faire réagir à des propos tenus par Nguyen Chia, par le truchement de ses avocats dans les écritures que nous recevons de la part de toutes les parties dans ce procès, et vous faire réagir à la théorie de Nguyen Chia par rapport au crime de persécution politique qui sont intrinsèques aux purges. Et nous avons dans ce procès des crimes de persécution politique liés à trois centres de sécurité. Et je voulais vous lire ce que pense Nguyen Chia de ces crimes, et il dit ceci, donc c'est un mémoire de ses conseils, E395-2, ERM01-25-1288, c'est le paragraphe 27, et sur ces crimes potentiels allégués de persécution politique, les conseils de Nguyen Chia disent ceci, en parlant des tentative de coup. This would demonstrate that a substantial number of people were not at all persecuted on the basis of real or perceived political beliefs, but instead because of legitimate suspicions of their involvement in the grave crime of treason, including through preparatory acts, attempts at rebellion, and acts of sabotage. It is the defense position that such evidence would at least partially absolve Nguyen Chia of responsibility for this charge. Je voudrais vous citer un deuxième extrait de ce mémoire déposé par les avocats de Nguyen Chia, toujours E395-2, dans lequel les avocats présentent la stratégie de défense de Nguyen Chia et indiquent ceci en anglais. It is the defense case that it was the leaders of the treasonous rebellion who were responsible for death and other criminal acts in areas under their control. Même question finalement que tout à l'heure, qu'est-ce que cette stratégie de défense qui finalement n'a pas changé d'un pouce depuis près de 40 ans peut nous dire de la capacité des dirigeants du Cambodge démocratique à se remettre en cause? Very interesting questions. It's the first time ever that this court room. Defense position is being put I
not sure if that's entirely appropriate ខ្ញុំបានប្រកាសថាវាជាការត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ក្នុងការលើកយកមកចោទសួរបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែគិតថាតើត្រូវឆ្លើយតបរបស់ដោយរបៀបណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាការកាត់សម្គាល់មិនមែនជាការជំទាស់ទេប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីក៏ពេលក្តីគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងជឿជាក់ក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាវាមានចេតនាធ្វើរដ្ឋប្រហារជាច្រើនដែលផ្អែកទៅលើសក្ខីកម្មរបស់អ្នក សាក់សីជាច្រើនក៏ដូចជាឯកសារដែលសល់ពីសម័យនោះក៏ដូចជាខ្សែវីដេអូរបស់Robert Lemkin ជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថា L'objection était aussi intéressante peut-être que la question de l'expert, si je peux me permettre ce commentaire. J'ai juste 5 minutes de questions sur ce que vous dénommez vous-même hyper-maoïsme. Et dans votre ouvrage, à la page 17-01-001-6-8-6, vous semblez lier ce concept d'hypermaoïsme et le désir du PCK d'aller plus vite et de faire mieux que les Chinois à un sens d'infériorité et un sentiment d'infériorité des Cambodgiens. Est-ce que vous pouvez, déjà est-ce que j'ai bien compris votre thèse, pouvez-vous un petit peu expliquer à la Chambre ce que vous avez, vous entendez par ce lien que vous faites entre le sentiment d'infériorité et la nécessité de faire plus vite. Into a very short period of time. ដោយយកអ្វីដែលម៉ៅបានធ្វើប៉ុន្តែធ្វើក្នុងរយៈពេលដែលឆាប់រហ័សហើយនឹងសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យខ្លាំងជាងអ្វីដែលម៉ៅបានធ្វើទៅទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដូច្នេះហើយ ខ្ញុំគិតថាចលនាមនោគមវិជ្ជាគឺតែងតែតម្រូវឲ្យពួកគេគិតថាពួកគេជាកុម្មុយនីសបរិសុទ្ធឬក៏វាអស្ចារ្យជាងគេនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការពៀវរៀនច្រើនប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបញ្យល់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះ ខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យសិលធម៌គឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែល កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រើមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំនោះទេ Yes, I agree. I think that there is a relationship. The attempt to eliminate all distinct social classes, ethnic groups, social strata,
the elimination of difference in society, cultural difference, political difference, economic difference, the elimination of that and to create a kind of monolithic society is goes a long way to explaining why things were done the way they did. For example, there's very little, when I say hypermaoism, there was very little example, few examples of re-education, the concept of re-education in Chinese, ideological remolding, the democratic aperture. It was more, the enemy is caught, they are not forgivable, and they have to be eliminated, smashed, to use the word. Rin sốt mẹ tên đấy cứ kia cho tới cùng tịch cho đó đấy cứ chia này mui này cả pro nhập đầm bay bằng cao sang cùng con mình đi để sớm mai hôn để dùng. Je vous remercie, Monsieur l'expert. Sớm ở con lâu nay chúng này nhật bản sài nên sớm nốt nhom sớm ở con lâu thiên nhom ở sớm nô hay. Con chia bắt đầu thành lập ra cái chuẩn từ cả mình vì cả việc đây lâu kêu sớm phón là mấy nô cả tăng sớm nô đến đầu chập bù. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour à Monsieur Maurice. Je m'appelle André Lissé. Je suis co-avocat international à côté de mon confrère qui est Samuel de Monsieur Kessampan. Et je vais poser des questions complémentaires. Un certain nombre de choses ont déjà été abordées sur lesquelles je reviendrai pour certaines précisions. Et également voir quelques documents avec vous. Tout d'abord, je voudrais revenir sur vos recherches dans les archives. Par rapport à votre ouvrage, est-ce que il est juste de dire que c'est le point le plus important, enfin les sources les plus importantes de la rédaction de votre ouvrage, ces archives soviétiques? Dans le cadre de ces archives soviétiques, vous avez expliqué que vous avez eu une chance formidable d'accéder à une masse de documents et que vous aviez un index qui vous permettait de vous retrouver dans les documents qui vous intéressaient. Je voudrais savoir si parmi ces documents, il y avait des documents qui évoquaient des discussions directes entre des membres de la diplomatie russe autres personnes, discussions directes avec des gens du camp populaire démocratique. You're asking me if I looks like Menteri Petena cuma kau pecah-pecah terpakai kini yang serapat tuan. Vous avez expliqué que vous avez dans le cadre de ces archives eu des rapports diplomatiques de l'Union soviétique de l'époque. Ma question était de savoir dans ces rapports, est-ce qu'il y avait des éléments sur des discussions, quels que soient les interlocuteurs, mais du côté russe et du côté du camp populaire démocratique. Est-ce qu'il y avait des éléments directs ou est-ce que c'était toujours des rapports effectués par le Vietnam ou d'autres personnes? I have no record of discussions between the Soviet Union and the Democratic Cambodia. Donc, si je comprends bien, lorsque vous utilisez ces archives pour rapporter l'éventuelle position du camp populaire démocratique, c'est ce que dit le Vietnam de la position du camp populaire démocratique aux autorités soviétiques. C'est bien ça. Le Vietnam,
Yes, I was only using those documents regarding what the Vietnamese perceived to be the situation in Vietnam Cambodia, not necessarily the reality, as I pointed out in some of my other testimony. I don't believe the fully understood the situation inside democratic Cambodia, nor did they fully understand the real attitudes of the leadership of democratic Cambodia. Et ma question sera la même sur la période avant le conflit démocratique. Nous savons qu'il y avait eu des rapports évidents entre le Vietnam et ceux qui allaient devenir les leaders du conflit démocratique. Est-ce que durant cette période également, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'Union soviétique avait des éléments uniquement en fonction de ce que disait le Vietnam par rapport à ses leaders, en tout cas ses révolutionnaires, en tout cas pendant la période de 70-75. Yes, the Soviets only had information from the Vietnamese side about what was happening Vietnam in Cambodia from 1975. However, I should point out that I used captured documents from the wartime to try and understand what was happening inside Cambodia between 1975 and 1975, documents which were captured by the United States, not documents that I found in the Soviet archives. Je vais revenir sur cette période un petit peu avant 75, mais pour rebondir sur une remarque que vous aviez faite hier répondant à mon frère Copé sur la question de la critique de Chandler sur votre ouvrage. Vous avez indiqué que, comme beaucoup de critiques sur votre ouvrage, il y a beaucoup d'historiens, et je vous cite, c'était hier, avant-hier plus exactement, un petit peu après 14h19, vous dites, comme beaucoup d'historiens qui ont fait une critique de mon ouvrage, leur critique n'était pas relative à l'histoire, mais à ma science politique, ce que je trouve plutôt ironique, et que l'irrationalité était au centre. Mon argument selon lequel l'irrationalité était au centre du conflit indochinois plutôt que la solidité et la véracité de mes assertions factuelles. Fin de citation. Je voulais vous rappeler vos déclarations pour maintenant citer un passage de la critique de Chandler par rapport à votre ouvrage. Et voilà ce qu'il dit notamment. Donc c'est le document E3-10703 et c'est à l'URN en anglais uniquement 01335287. Donc il prend deux exemples, à la page 68 et à la page 72 de votre ouvrage, et vous allez comprendre à quoi il fait référence, et je précise que je vais citer en anglais. On page 68 and elsewhere, Maurice lambasted the Khmer Rouge for their bracket unrealistic and bracket irrational foreign relations, but failed to suggest what a sensible policy toward Vietnam might have been, aside from succumbing to Vietnamese patronage and demands. Vietnam itself, in any case, soon embarked on a similarly bracket irrational policy toward China, drawing less on Marxist-Leninist quarrels or paranoia, as Murray seems to suggest, than on perceptions of threats to sovereignty based in part on historical-cultural considerations. On page 72, Murray claims that there is bracket little independent evidence that the Thai and Vietnamese were attacking Cambodia
In fact, the mass of Khmer Rouge documents that deal with national defense have surfaced in Phnom Penh since Maurice completed his research. These materials suggest that from 70 onward, frequent skirmishes along Cambodia's borders, initiated by Thai, Vietnamese, and Khmer forces, and probably springing from trigger happiness in many cases, helped to intensify Pol Pot's belief that Cambodia was surrounded by enemies. End of quote. Cette longue citation de la critique, la revue, on va dire, de Chandler de votre ouvrage, pour indiquer plus précisément que la critique qu'il oppose à votre ouvrage n'est pas tant cette analyse approfondie des archives soviétiques, mais plutôt le fait que, comme c'est votre source essentielle, pour la position des uns et des autres, qu'en n'ayant pas du tout incorporé des éléments contemporains du côté du Kampuchea démocratique, qu'il vous manque peut-être un pan d'information pour avoir une vision peut-être plus complète et plus nuancée. Donc, est-ce que vous voulez réagir à cette partie de la critique de Chandler, et est-ce que vous ne voyez pas un problème dans le fait que c'est un problème, c'est l'époque où vous avez écrit votre ouvrage, mais il n'y a pas eu de réactualisation par rapport aux autres éléments qui auraient pu être retrouvés par la suite? Mon confrère m'indique que j'ai fait une erreur dans la citation en disant, en citant la date de 70 au lieu de 76, donc je parlais bien de 76. Hein, si y a une difficulté dans ma citation. I won't apologize for not having read documents which surfaced after my book was completed. Sorry that I did not have the opportunity to read these documents before I completed my book. I would like very much to see these documents and to evaluate them. To try and determine whether they reflected the reality of the situation on the ground in Cambodia, Thailand, and Vietnam. That would be my response to Mr. Chandler's comments. One has to be careful, of course, in using documents. It depends what these documents are. And since I don't know the answer to that question, you may well know what kinds of documents they were. Je comprends bien que ce n'est pas l'espace du court temps de votre déposition que nous allons pouvoir vous nourrir de l'intégralité des documents que nous avons, mais je voulais juste avoir votre réaction par rapport à ça, et vous avez répondu, et j'en prends acte. Un autre point que je voudrais aborder avec vous et qui me semble intéressant par rapport à votre expertise, vous avez beaucoup parlé des régimes marxistes. Vous avez beaucoup parlé de paranoïa. Moi, je voudrais spécifiquement vous demander si cette paranoïa n'était pas inhérente aussi à cette période particulière qui était la guerre froide. Donc, ma première question est donc de savoir si pendant la période de la guerre froide, tant en ce qui concerne la manière dont les informations étaient obtenues que dans les alliances stratégiques qu'il pouvait y avoir, est-ce que ce n'était pas une période très particulière, que ce soit pour le Vietnam, que ce soit pour l'Union soviétique, mais également
ពួកខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណូមពរដល់លោកអ្នកជំនាញនៅបានឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណូមពរដល់លោកអ្នកជំនាញនៅបានឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណូមពរដល់លោកអ្នកជំនាញនៅបានឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណូមពរដល់លោកអ្នកជំនាញនៅបានឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណូមពរដល់លោកអ្នក
Donc, un petit peu avant ce passage, il est expliqué que, en fait, que Sampan n'est pas la personne le plus haut placé, que ça, les dirigeants soviétiques ne le savent pas. Et voilà ce qui est dit sur la position du Vietnam. Les relations entre Moscou et les Khmer Rouges ne pouvaient connaître de percée que si les principales personnalités parmi les dirigeants Khmer Rouges participer au processus. Or, les Vietnamiens faisaient de leur mieux pour empêcher tout contact direct entre Moscou et les autorités du Parti communiste du Kampuchea, car ils voulaient empêcher que quelqu'un d'autre ne s'empare du monopole des relations avec les Khmer Rouges dont ils jouissaient. Conscient que Moscou en viendrait inévitablement à nourrir des doutes sur l'intention réelle de Hanoï de contribuer à l'établissement de relations entre le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste du Kampuchea, les autorités vietnamiennes n'avaient de cesse de déclarer que le Parti des travailleurs du Vietnam faisait tous les efforts possibles pour contribuer à l'essor des relations entre les camarades cambodgiens et soviétiques. Et ensuite, l'auteur cite le compte-rendu de cet entretien. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous vous souvenez avoir lu soit dans les archives soviétiques, soit dans cette... It's very creepy. Unless I missed it, I don't think Council gave the date of this, which was April 1974. So it wasn't DK authorities, but just so the experts aware. En tout cas, en français, j'ai bien indiqué que c'était avril 1974. Ma question, c'est est-ce que cette citation de votre collègue rafraîchit la mémoire? Première question. Dimitri. Unfortunately, it does not refresh my memory. I had not seen that document. I'm not aware of that document. Mr. Masyakov was doing some of his own work in the archives at the same time as he was helping me, and I regret that he didn't show me this document. Donc ma question par rapport à ma question précédente relative à la gestion de l'information pendant cette période de la guerre froide, des éventuelles alliances, de qui avait accès à qui, là c'est une illustration, si vous voulez, de la gestion diplomatique du Vietnam. Est-ce que ce n'était pas inhérent à cette période-là? Particulièrement par rapport à ce qui a pu être décrit sur la manière de gérer la diplomatie par les Vietnamiens, de conserver des informations, de dissimuler des informations en fonction d'un agenda ultérieur. Yes, I think that's a fair comment. En rapport également avec cette période-là, nous savons, et ça fait partie des éléments qui ont été discutés, qu'il y avait des conflits frontaliers en dehors des autres discussions qu'il y a pu avoir entre le Vietnam et le Kampuchea démocratique. Vous avez, dans le cadre de votre ouvrage, évoqué le passé tumultueux qu'il y a pu avoir entre le Vietnam et le Cambodge et les pays voisins. Ma question particulière est de savoir est-ce que vous avez fait des recherches précises sur cette question des problèmes frontaliers et notamment de la ligne Brévier, ou c'est quelque chose qui n'a pas du tout occupé vos recherches. Brévier,
No, this is not something I concern myself with. De façon générale, donc là je vais parler que ce soit le problème du Cambodge avec le Vietnam, avec la Thaïlande, ces questions frontalières de façon générale n'étaient pas l'objet de vos recherches. Parce que tout à l'heure, vous avez été interrogé et on vous a soumis un certain nombre de télégrammes sur la question des problèmes frontaliers avec la Thaïlande et de télégrammes du Cambodge démocratique. Vous confirmez que c'est pas, ça non plus n'a pas été l'objet de vos recherches. No, maybe I misexpressed myself. It's not that they were not part of my research. They were not the primary focus. I didn't focus as much on these issues as some people might have. But it's not correct to say that they were not part of my research. Sur les questions frontalières, peut-être pour être plus précise, est-ce que vous avez, par exemple, dans le cadre de vos recherches, étudié quelles étaient les positions de la Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam sur le découpage des cartes, sur qui était hérité ou pas de la colonisation? C'est ça ma question précise sur les conflits frontaliers et les discussions qui ont pu avoir lieu à ce sujet. Look, I read about these issues, but in terms of what my focus was, it wasn't my focus because I thought that the border issues were a reflection of more profound political problems. The border issues were not the cause of what happened, that they were a symptom of what happened, or of deeper causes. Women mentioned Mula. But I'm certainly well aware of the problems that Cambodia has with its border with Vietnam and the problems of mapping out borders and so on. Je ne sais pas si vous êtes familier d'un rapport qui avait été établi en le 20 août 75 par l'ambassade d'Australie à Hanoï, mais il semble que ces questions et la question de l'influence du Vietnam sur le Cambodge est quelque chose qui a été vu par de nombreux observateurs. Et je fais référence au document E3 9731 les problèmes qui risquent de se poser de la façon suivante, ce paragraphe 14. Je cite en anglais. Beyond this, there are the suspected Vietnamese aspirations to form an Indo-Chinese federation, which are believed to be unacceptable to the Cambodians. Moreno says he believes the Vietnamese will make no strong move towards such a team until their application for United Nations and non-aligned group membership are out of the way. Locke also says these are the Vietnamese priorities. But in saying this, he implicitly admits that these Vietnamese ambitions do exist and time is unlikely to make them more palatable to the Cambodians. End of quote. Um,
Ma question est la suivante. Est-ce que dans le cadre de vos recherches, vous avez pu également constater que cette préoccupation et ce constat fait par l'ambassadeur australien à l'époque est quelque chose qui a pu être repris par d'autres ambassades? Et est-ce que c'est quelque chose qui a été mentionné également dans les archives soviétiques que vous avez pu consulter? I think there was a discussion earlier yesterday about from my an excerpt from my book where I quote the Soviet authorities talking about the Indo-Chinese Federation in 1973. But apart from that, I did not find any information about the Indo-Chinese Federation from other embassies or other countries. Pour revenir à des parties de votre ouvrage, vous avez expliqué les différentes étapes du comportement du Vietnam dans la gestion du conflit avec le Kampuchea démocratique. Vous avez notamment évoqué avec M. le co-procureur la question de l'évolution du langage. Il a cité le passage où on passe du Kampuchea démocratique à la question des autorités de Phnom Penh et enfin à la clique Pol Pot Yangtze-Rí. On appelle ça propagande aujourd'hui, les gens disent éléments de langage. Ma question est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui était courant aussi, à la fois dans la guerre froide et à la fois dans les pays communistes, cette utilisation d'éléments de langage différents lorsqu'il y a des évolutions d'alliances et des évolutions politiques dans les relations? Yes, it was. You would find, for example, the Soviet Union using different descriptions of the government of Yugoslavia before and after Tito's split with the Soviet Union in 1948. So, yes, this use of language is very important to indicate attitude. Dans votre ouvrage, c'est donc à la page 105 du document E3-738, ERN en anglais, ça commence en fin de page, 01001772. Vous parlez du début 78, et voilà ce que vous dites, je cite en anglais. Within the first 4 months of 78, the Vietnamese have created a secret network of camps for the purpose of building a liberation army of Cambodians from among refugees and other civilians brought from Cambodia to Vietnam. Vous dites également, cette fois-ci, c'est à la page 109, ERN 01001776. Et là, vous évoquez la réunion de septembre 78 entre le Douane et l'ambassadeur russe, et vous dites ceci. Je ne sais plus si j'ai donné le ERN 01001776. Je cite en anglais. Le Douane also spoke of the efforts that Vietnam had undertaken in promoting a Cambodian resistance. He claimed that there were 9 battalions of Khmer
trained by the Vietnamese operating at that time. There were also to be 20 leaders of provincial districts coming out against the Phnom Penh regime and sympathizing with Vietnam. Found with station. Ma question est de savoir, vous comprenez que c'est le résultat d'une discussion entre le douane et l'ambassadeur russe. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez eu, dans le cadre de vos recherches, des détails sur cette question de 9 bataillons et de qui étaient les 20 leaders de districts provinciaux qui auraient été ralliés à la cause du Vietnam. No, I don't have any more details. Had I had more details, I would certainly have included them, if not in the text, at least in the footnote. Vous avez évoqué également dans votre ouvrage, ce rapprochement qu'il y a eu entre le Vietnam et l'Union soviétique après les premières amours du Vietnam avec la Chine, un rapprochement qui avait été vu, vous l'avez indiqué hier, de façon très négative par la Chine, qui estimait que c'était de l'ingratitude de la part des Vietnamiens. Et vous dites dans votre ouvrage que des discussions qui ont ensuite abouti à un traité d'amitié entre Moscou et Hanoï a eu lieu en 78, et vous dites ceci, je vais vous citer toujours en anglais, donc c'est l'ERN 01001775. Through not openly discussed, one purpose of the meeting was for the Vietnamese to ensure Soviet political and military backing in any future escalation, or at least to provide a Soviet insurance policy against possible Chinese military retaliation. The Soviets had no intention of going to war with China over Vietnam and Cambodia, but naturally did not reveal that view. But a treaty of friendship and cooperation will be publicly signed in Moscow in November. End of quote. Cette volonté de se rapprocher de l'Union soviétique du géant à l'époque contre le géant chinois révèle un calcul stratégique de la part du Vietnam. Est-ce que dans cette ligne de rapprochement avec l'Union soviétique, vous avez eu dans le cadre de vos recherches eu des éléments sur l'offensive diplomatique, qu'a pu avoir le Vietnam au moment où elle envisageait de rentrer et d'envahir le Cambodge, et quelles étaient les éventuelles alliances diplomatiques qu'il y a eu à ce moment, c'est-à-dire fin 77 et courant 78. I did not go into the diplomatic offensive, but I believe that the Vietnamese regarded their best prospects achieving their objectives in Cambodia to be having the support of the Soviet bloc, that is the nations which are under the influence or control of the Soviet Union in Eastern Europe in particular. I'm familiar with the Vietnamese propaganda campaign
ខ្ញុំដឹងអំពីការឃោសនារបស់វៀតណាមនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងតាមការទូតជាមួយនឹងប្លុកអាណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យទទួលបានការគាំទ្រពីមតិអន្តរជាតិ Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30. Est-ce que vous voulez marquer la pause maintenant parce que je dois aborder d'autres documents. J'aurais besoin, je pense, de tout le temps qui me reste imparti. Dans mon calcul, il me reste 25 minutes. Je sais que c'est un peu comme les comptes de manifestation, c'est jamais le même calcul de la Chambre et de mon côté, mais dans mon calcul, il me reste 25 minutes et j'aurais pas besoin de moi, monsieur le Président. អរគុណលោកអ្នកជំនាញឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយឲ្យប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសន្ទនាការសម្មនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងរួមរាប់ដល់កន្លែងសម្រាប់ដឹកទូរងចាំមេអបសាក់សីដល់សាក់សីរូបជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលធ្វើសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងដល់ថ្ងៃកម្មក្នុងបន្ទប់សន្តិការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង1កន្លះហ